Alors, bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans cette expo, les paroles cèdent la place aux images. Enfin, pas tout de suite, parce que vous voyez qu'il y a quand même... Mais ça va venir vite, vous inquiétez pas. Et donc, justement, je ne vais pas vous faire de grands discours. D'autres vont vous expliquer la genèse de cette aventure, les raisons de cette exposition prévue de longue date. Je voudrais juste donc vous dire, en tant que doyenne de cette faculté, que vous êtes ici tous et toutes les bienvenus. Bienvenue dans cette maison qui travaille sans cesse sur la parole, sur le sens des mots, sur leur transmission, sur leur invention. Bienvenue dans cette exposition qui nous donne le monde à voir sous un angle différent, avec un point de vue sur les choses, sur les gens, sur Dieu, qui aide à comprendre, à déchiffrer les traits de plume et les traits d'esprit, et à aimer. Bienvenue pour cette entreprise de réflexion commune qui nous permet de faire le ménage devant notre porte sans nous poser en donneur de leçons. Nous sommes là et nous vous proposons ces caricatures à regarder, à partager, parce que nous sommes ici pour parler ensemble, pour nous rencontrer. Rire ou pas, peut-être ne pas aimer certaines propositions, mais penser un Dieu qui se donne à voir, qui n'a pas besoin de gardien pour se défendre et pour exister, qui ne cherche pas des foules qui se prosternent, mais qui nous donne une possibilité d'exister devant lui. Nous défendons dans cette faculté une approche de la théologie qui ne soit pas un patrimoine à défendre ou à enfermer dans des coffres-forts ou une liste de normes et de dogmes indéboulonnables, à l'image plutôt de ces grands papiers fragiles que vous avez peut-être déjà vus ou que vous verrez dans la salle à côté. Nous souhaitons développer ici une théologie qui prend des risques, qui sait qu'elle n'est pas éternelle, mais qui prend Dieu et le monde au sérieux, tellement au sérieux qu'elle s'en moque, s'en approche, s'en éloigne sans cesse. Et surtout, une théologie qui aime ceux et celles à qui elle s'adresse et qui les respecte. Et c'est pourquoi cette exposition a toute sa place ici, sur les murs, et dans les salles de cours. Bienvenue à tous et à toutes.